Vous voyez ces caméras dans les supermarchés. En 2049, elles seront probablement équipées de logiciels de reconnaissance faciale. Car la tendance du retail, ou distribution en français, tient en un mot. Toujours plus de personnalisation. Pour débuter notre exploration du supermarché du futur, nous voici à deux pas des Champs-Élysées, devant le supermarché Casino Le 4, une des grandes surfaces les plus modernes de Paris. Ici, si vous ne trouvez pas un produit, vous pouvez demander à Max. Max n'est pas un vendeur, mais un écran. Démonstration. Ok Max, des sacs poubelles. Il est obligé de relier à un produit. L'écran va vous indiquer où sont les sacs poubelles. Donc en l'occurrence, c'est une bonne question parce que les sacs poubelles sont assez loin. Et donc vous allez devoir descendre ici l'escalier. Et ce qui est possible aussi, c'est d'enregistrer le plan sur le smartphone. Donc j'ai bien trouvé les sacs poubelles tout au fond du magasin. Donc bien sûr, l'idée est à horizon, c'est même pas 2050, hein, dans les 5 prochaines années, de déployer ce type d'écran dans les magasins et aussi sur les smartphones, puisqu'il suffit d'avoir un assistant vocal pour pouvoir communiquer avec lui, que directement sur son smartphone du client, il nous indique où est le produit. À Lille, des entreprises réfléchissent déjà à aller plus loin et développent les innovations qui feront le supermarché de demain. La multinationale CGI, qui vend ses solutions digitales aux grandes surfaces, teste ce dispositif de reconnaissance faciale. Un logiciel intelligent détecte votre sexe et affiche du bleu pour un homme et du rouge pour une femme. Votre tranche d'âge est également évaluée. L'idée, c'est de pouvoir associer cet écran à d'autres écrans de notre magasin pour pouvoir afficher un contenu personnalisé en fonction de quelqu'un qu'on ne connaît pas. En l'occurrence, là, on ne connaît pas la personne. Plus surprenant, il analyse aussi votre humeur. Heureux, énervé, surpris, vos réactions sont évaluées sous forme de pourcentage. Donc si je souris, on est bien à 100 d'happiness. Et à quoi servent ces données? Eh bien à mesurer votre sensibilité aux promotions ou aux nouveaux produits par exemple. Ça peut être mis en face d'une tête de gondole pour savoir si la tête de gondole, les gens regardent vraiment l'affichage marketing qui a été fait par l'enseigne. Si une tête de gondole, en fait, tout le monde passe devant sans s'arrêter, y a peut-être une analyse à faire. Un dispositif déjà testé dans certains supermarchés américains. Mais le Graal pour ces enseignes, c'est d'abord votre compte client. De plus en plus, les vendeurs auront accès sur leur tablette à votre historique d'achat et pourront vous approcher avec des suggestions personnalisées. Ou même vous envoyer des rappels de produits que vous pourriez avoir oubliés directement via l'application du magasin. Vous l'avez compris, la place du smartphone va devenir de plus en plus importante. À Lille, on teste l'étiquetage en réalité augmentée. Sur votre portable, il vous informe sur la provenance des produits et sur les allergènes, par exemple. Donc moi, je suis plutôt intéressé par tout ce qui est made in France, d'origine européenne et bio. Et au niveau des allergies, tout ce qui est à base de fruits à coque. Donc là, on peut voir qu'il y a des croix rouges. Car dans mon profil, j'ai enseigné que j'étais allergique aux fruits à coque, et donc c'est vrai que ces produits contiennent des fruits à coque. On peut avoir aussi d'autres informations, on peut voir la provenance des produits, on pourrait voir aussi s'ils sont véganes, s'ils sont bio. Voilà. Ça permet vraiment de simplifier la vie du consommateur au quotidien. Une fois les produits choisis et personnalisés, plus qu'à payer. L'entreprise Amazon a beaucoup fait parler d'elle en ouvrant sa première épicerie sans caisse. Grâce à des capteurs de poids et un plafond bardé de caméras, le client peut partir avec le produit en main et être directement débité sur son compte. Un système qui reste encore très coûteux. En 2049, c'est plutôt le paiement directement sur mobile qui sera probablement la norme. Je vais prendre une bouteille d'eau, un yaourt. Donc après, une fois que j'ai fini mes courses, donc je vais marquer « Payer maintenant ». Et là, je vais devoir rentrer mon code d'accès. Donc maintenant que le paiement est fini, on va se diriger vers le portique de sortie pour présenter le code barre et confirmer le paiement. Payer avec son mobile ou avec son visage. C'est déjà le cas en Chine, où plusieurs chaînes de supermarchés proposent de payer avec un sourire. En France, certaines enseignes, comme Carrefour, testent déjà le paiement par reconnaissance faciale.